Voilà, bonjour. Dites-moi si le son est bon. On a coupé la lumière. C'est ça que la luminosité n'est pas certainement comme d'habitude. Voilà, que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus. Merci pour ceux qui me répondent par rapport au son. Ce matin, c'est un autre jour. Nous bénissons le Seigneur pour l'occasion qui nous accorde encore de voir ce jour nouveau. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour la vie d'être le mouvement que tu nous accordes. Merci pour la faveur que tu nous donnes de voir encore ce jour nouveau. Père, nous prions pour ce moment de partage ensemble et de communion spirituelle. Saint-Esprit, sanctifie-nous. Et prends contrôle et oriente-nous dans tout ce que nous aurons à dire et que ton nom soit glorifié au nom souverain de Jésus Christ. Amen. Voilà, connectons-nous très massivement, s'il vous plaît, partageons la vidéo parce que ce matin je veux parler d'une question qui me tient vraiment à cœur et c'est très important pour moi de, de commencer par ce sujet. Bonjour, Daddy. Euh, Love you from UK. Oh! Thank you, love you too. Ça, c'est bien, ça. Bonjour à Chelsea. Bonjour à Varouk. Bonjour à Daniel Ngomayo. Bonjour à Christian. Bonjour à mon fils Cyril Agbrey. Que Dieu vous bénisse. Bonne arrivée à chacun de vous. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Allez, bon, ça part Partageons la vidéo, s'il vous plaît, parce que ce matin, nous allons parler d'une affaire très sérieuse. Très, très sérieuse, hein. Très sérieuse. Je veux m'appréhender sur les femmes des pasteurs, les femmes des hommes de Dieu. Comme le titre de mon programme de ce matin, La Lumière des Saintes Écritures de ce matin, indique, nous allons parler de la, la condition des femmes des hommes de Dieu, les femmes des hommes de Dieu. Dans l'église de Jésus-Christ, on va parler de cela. Voilà. Bonjour, professeur Joël. S'il vous qu'on un homme de Dieu, envoyez lui la vidéo aussi. envoyez lui la vidéo. Partagez aux frères, aux bien-aimés. Parce que le temps est venu d'aborder des questions que les gens ne veulent pas aborder. Ou que la plupart des hommes de Dieu ne veulent pas aborder. On va parler de cela. Et il faut dire que pour tous ceux qui sont au Cameroun, nous avons les grands cultes de plainte ce mois. Trois grands cultes de plaintes Ça sera extraordinaire, je vous assure. Le premier culte de plainte se tiendra du côté de Bertoua, dimanche le 24. Et voyez, ça sera un moment extraordinaire. Et après cela, dimanche le 31, nous aurons un double culte de plainte à Yaoundé, à partir de 7h30 à la Bire en Kouabon. Et à Douala, ce sera à partir de 16h. Donc, nous avons, comme jamais cela n'a été dans notre ministère, un triple culte de plaintes Les habitants de Berthois sont bénis. Et dimanche le 17 déjà, je serai à Berthois. Tous les soirs, tout ce, toute, ce, tout, euh, toute la soirée à partir de 16h. Pour une soirée extraordinaire avec les bien-aimés là-bas. Donc Dieu bénisse. Vous savez que nous sommes euh, au niveau euh, du site à Beaumont. Le site de l'église même. Quand j'arrive dans la ville, nous partons. Là-bas, à cause des problèmes que nous avons eus avec les autorités, certaines autorités administratives de la ville. Donc, nous sommes en périphérie de la ville. C'est un moment extraordinaire que nous aurons à passer ensemble ce dimanche euh, 17, 17 octobre. Donc, ne manquez pas si vous êtes à Bertois. Dimanche 17 octobre, mettez ça dans votre agenda à partir de 16h, à Bomo, vers Bonis, à Beaumont. après la deuxième barrière de police sur la route de Bélabo, à droite. C'est juste à côté du Goudron. Donc, nous vous attendons très, très nombreux. Et à Yaoundé, ce sera dimanche le 31. Et à Bertois, dimanche le 24. Donc, on aura deux dimanches successifs. Le 17 et le 24 à Bertois tous les soirs à 16 heures. Mais dimanche le 24, ce sera le culte des plaintes à l'éternel et formats où on vous seront gratuitement donné. Il y aura un service d'eau Que ceux qui ont reçu les mouchoirs blancs reviennent avec leurs mouchoirs oint Nous allons prier et rendre ministère. Les délivrances extraordinaires vont se passer. Le royaume de Satan sera mis à genoux afin que le royaume de Christ triomphe de tous les plans de ses ennemis dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les habitants de Berthois sont bénis. Donc, si vous êtes à Ayos, vous êtes à Bellabo, vous êtes à, euh, à Bomba, dans tous les cas, toutes ces villes qui sont autour, même à Garoua, vous voulez venir, aucune de plainte, Garoua, Gaoundéré, on se retrouve à Berthois. Et Dieu se manifestera avec puissance. Et je sais que nous allons être délivrés, nos familles seront consacrées. À notre Dieu, chaque famille avait sa bouteille d'huile de faveur, son offrande de consécration familiale. Ce sera des moments extraordinaires. Nous sommes dans le mois de la prophétie, où nous célébrons la prophétie. Et le thème de ce mois, c'est Seigneur, accomplis tes promesses dans ma vie. Donc c'est le mois où Dieu va accomplir ses promesses dans nos vies. Donc si vous me suivez, quel que soit le lieu où vous me suivez, la distance n'est pas une barrière. Là, dans le pays où tu me regardes maintenant, il y a une promesse dans ta vie que Dieu n'a pas encore accompli. Tu attends. Le salut de Dieu, la visitation de Dieu dans ta vie. Il y a une saison que Dieu t'a promise, mais qui n'est pas encore accomplie. Alors ce mois, nous prions ensemble. Et ce matin, je veux prier avec toi que le Seigneur fasse en sorte que ses promesses soient accomplies en ta faveur. Donc le démon qui retenait ta promesse, ta prophétie, ce démon doit la libérer au nom souverain de Jésus. Et tu entreras dans ta saison et tu prendras possession de tes possessions. La même chose se passera à Yaoundé, dimanche le 31 à partir de 7h30 et puis à Douala le même dimanche le 31 à partir de 16h. Que Dieu te bénisse. Alors je vais dire à toutes les familles de se mobiliser grandement. Maintenant, nous voulons parler d'une question qui me tient à cœur. Et c'est important, c'est très important pour moi d'aborder ce sujet. C'est le sujet, la place qu'occupent les femmes des hommes de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est un sujet que beaucoup de personnes refusent d'aborder. Mais il faudrait que nous caracolions et chevauchions autour de ce sujet pour trouver... Et des solutions, parce que la vérité, par mon expérience personnelle, c'est que beaucoup de femmes, d'hommes de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ, sont marginalisées et maltraitées. et ça la vérité. Elles sont maltraitées. Ça veut dire qu'elles ne sont pas honorées à leur juste valeur. Elles n'ont pas la place qu'elles devraient être, elles devraient avoir. Et ça pose un réel problème. Et même si les gens ne veulent pas aborder ce sujet, parce que ce sont des thèmes fâcheux, parfois même les femmes, des hommes de Dieu qui subissent euh, ces oppressions par leur mari n'ont pas le courage d'en parler, parce qu'elles ont peur de leur mari. Elles ont peur peut-être d'être battues, elles ont peur d'être répudiées, elles ont peur d'être marginalisées à la maison, bien de souffrir encore davantage. Donc, mais c'est important d'en parler, vous voyez. L'expérience personnelle que j'ai eue, c'est que les femmes des hommes de Dieu, hein, la plupart des femmes des hommes de Dieu qui m'ont abordé euh, ont pleuré, dans tous les cas pleuraient par rapport à leur foyer. Par rapport au comportement de leur mari, par rapport à la manière dont leur mari agissait vis-à-vis d'elle. Donc, vous voyez, l'unité dans un couple chrétien et en plus dans un couple pastoral entre l'homme et la femme ne devrait pas être sujet d'hypocrisie. Lorsque je parle de sujet d'hypocrisie, ça veut dire que sourire devant les gens tandis qu'à la maison on ne se parle pas. C'est un peu ça le problème. Là, ça devient une hypocrisie. L'amour doit être pur, l'amour doit être vrai, l'amour doit être sincère. Vous voyez. Donc, il y a des couples qui, à l'église, se parlent, mais qui, en réalité, à la maison, font chambre à part. C'est-à-dire que la femme vit avec les enfants, dort dans la chambre des enfants, et le mari est dans sa chambre. Il y a des choses comme ça que les gens vivent. Vous voyez, c'est un problème très sérieux. Et j'ai reçu des témoignages des, des femmes d'hommes de, de, de Dieu qui euh, ont été tellement marginalisés par leur mari que le mari est venu avec d'autres femmes dans le lit, et la chambre conjugale, est dans le lit conjugal pour. Euh, Commettre l'adultère. On oh, l'a vu, le dit que le, le lit conjugal doit être exempt de souillure, car Dieu jugera les adultères. Ouais, donc, c'est des choses qu'il faut qu'on comprenne. Il y a tellement de choses qui vont mal dans l'église de Dieu. Il y a une vidéo que j'ai postée dans ma page Facebook ce matin où il y a un zèbre, un lion qui s'attaque au petit d'un zèbre. Et puis, il attrape le petit du zèbre. Mais la maman s'en va, et elle revient. On ne sait pas si c'est la maman, ou si c'est le papa. Mais dans tous les cas, l'un des parents revient. Il revient, il se bat. C'est-à-dire, il arrive, il a d'abord peur du lion, mais après, il saute. L'amour de son petit, l'amour de son bien-aimé, l'amour de son de son semblable, a poussé euh, cette lionne, euh, ce, ce zèbre là à mettre en danger sa propre vie et à défendre avec ses crocs et ses pattes l'autre zèbre comme lui. Des griffes du lion, le lion qui tenait déjà la gorge, l'autre zèbre. Et puis le zèbre, il va sauter et il va défendre l'autre. Et il va donner un coup de patte au lion. Et voilà comment les deux zèbres vont être délivrés euh, des morsures euh, de la gueule de ce lion-là. Et puis j'ai fait la vidéo et j'ai posté qui m'aimera jusqu'à ce point, mon Dieu. Qui m'aimera jusqu'à ce point Qui m'aimera jusqu'au point de donner sa vie pour moi Vous voyez, il y a des vérités profondes dans l'église. Le mal est tellement profond, la gangrène est tellement profond dans l'Église de Dieu que si le Seigneur revient aujourd'hui, il ne reconnaîtra pas l'Église. C'est-à-dire que les chrétiens, le monde chrétien est devenu une autre chose. C'est la jungle, je vous dis la vérité. C'est Dieu sauve qui peut. C'est la jungle. Voilà pourquoi je comprends mieux pourquoi Jésus-Christ a posé la question suivante. Lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre Mais c'est des questions qui doivent nous interpeller en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre Le Seigneur continuera en disant que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Il parle de l'abomination de la désolation établie en lieu saint. Et c'est ça le problème de l'Église aujourd'hui. C'est-à-dire la maison de Dieu, on devrait avoir l'amour. L'amour de Dieu, après, c'est disparu. L'amour du prochain a disparu dans nos milieux chrétiens. Les milieux chrétiens sont devenus les milieux... Les plus dangereux aujourd'hui. Ça veut dire qu'on se sentirait parfois plus en sécurité dans un milieu non chrétien que parmi ceux qui se disent être enfants de Dieu. Vous savez que ces derniers temps, il y a eu une grande recrudescence des empoisonnements parmi les hommes de Dieu. Des empoisonnements à gauche, à droite, empoisonnements à gauche, à droite, la médisance, la haine, les calomnies, vous voyez, les railleries, les moqueries et tout cela, des prophéties malveillantes et maléfiques. Les uns lancés contre les autres, les églises se soulèvent, les unes contre les autres, les hommes de Dieu qui se rangent en bataille, les uns contre les autres. Dans tous les cas, ça veut dire que la maison de Dieu devient un champ de guerre, pas un champ de guerre contre Satan, mais les uns contre les autres, enfants le Dieu contre enfants de Dieu, de Dieu contre serviteurs de, serviteur de Dieu. Voilà la réalité dans laquelle nous vivons et personne ne veut parler. Maintenant, au milieu de toute cette cacophonie, au milieu de cette ribambelle confusionnelle au milieu de ce conglomérat de confusion et de cet agglomérat de désordre, il y a les cas des femmes, des hommes de Dieu, qui est un cas qui peut-être ne fait pas écho, mais qui est une réalité dans l'Église aujourd'hui. Beaucoup de pasteurs n'honorent pas leurs femmes. Beaucoup de pasteurs ne respectent pas leurs femmes. Beaucoup de pasteurs ne donnent pas à leurs femmes l'honneur et la gloire qui leur est due. Vous savez, mes amis, j'ai l'habitude de dire que si vous n'aimez pas une femme, ne l'épousez pas. C'est réciproque, mais je parle des femmes des pasteurs. Si vous n'aimez pas une femme, ne l'épousez pas. Beaucoup de pasteurs maltraitent leurs épouses. Laissez-moi vous donner un exemple. Et ça, je veux parler à mes fils, aux jeunes pasteurs qui sont en train de me suivre ce matin. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle la justice de Dieu. Chez nous, les nordistes, il y a ce qu'on appelle amana. Amana, c'est un peu euh, la loyauté, la loyauté vis-à-vis d'une personne. La loyauté à mort et à vie. C'est-à-dire être loyal à vie et à mort. Vis-à-vis d'une personne. On appelle ça amana. Euh, j'ai lui à expliquer que l'amana, c'est quoi Par exemple, vous avez un ami, vous êtes un parent, vous êtes en train de mourir, vous êtes gravement malade, et vous avez des richesses, vous avez votre enfant en bas âge, par exemple comme Jemima. Et puis vous, vous n'avez personne de confiance, et vous avez votre ami, vous lui dites Ok, mon ami, voici, j'ai 100 millions. Les 100 millions, si gardez-les pour ma fille lorsqu'elle grandira. Et vous lui confiez vos 100 millions. Donc, celui-ci, si, ça dit, chez nous, on dit que. Oh, 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 Onyami Amana. Ça veut dire qu'il a abusé de votre Amana. Ça veut dire quoi Si votre ami, après votre mort, garde les 100 millions et quand votre enfant atteint la maturité, lui remet les 100 millions, on dit il Amana. Ça veut dire qu'il a gardé la il a respecté la mana. Mais s'il se dit il est mort, ok, l'enfant est petit, elle ne saura même jamais que son père m'avait confié l'argent et qu'il s'assied sur cet argent pour manger, on dit qu'Onyami Amana. Ça veut dire qu'il a mangé la mana. Et vous, vous allez savoir que chez les musulmans et chez les nordistes, Peul, la mana est la chose la plus importante. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on nous a enseigné depuis le bas âge que celui qui est déloyal envers une personne qui lui a été loyale, le jugement et la colère de Dieu seront contre lui. Or, beaucoup d'hommes de Dieu s'amusent avec la mana. Qu'est-ce que je veux dire Où est-ce que je veux en venir Vous rencontrez une sœur. Ou une femme, vous n'étiez rien, vous n'aviez rien. C'est-à-dire que vous n'étiez même pas au premier balbutiement embryonnaire de votre destin. Vous ne ressembliez à rien, ça veut dire que votre aspect facial, usurilocal était morbide. Il était mortuaire, il était fantomique et fantasmagorique. Ça veut dire que vous étiez mort vivant. Mais cette femme vous a aimé, tel que vous étiez. Dans cet aspect squelettique, lugubre, elle vous aime comme ça. Et puis, elle se sacrifie pour vous, parfois même contre la volonté de sa famille. Elle s'est engagée à vous aimer. Sa famille lui a dit, mais regarde, il ne ressemble à rien. Mais dans, il ne ressemble à rien là, elle, elle vous a aimé. Et ensemble, vous vous battez. Elle se consacre à vous, à votre vie. Désormais, elle abandonne les visions personnelles qu'elle avait, ses rêves personnels, pour vous accompagner dans le rêve que vous lui avez dit avoir reçu de Dieu. Désormais, elle est engagée corps et âme dans la vision que le Seigneur vous a donnée et que vous lui avez expliquée. Elle fait un seul corps avec vous, une seule âme avec vous, et elle se laisse fondre en vous, vous voyez. Et puis, elle est jetée, elle est lancée à l'eau. Après quelques années de misère, quelques années de galère, quelques années de souffrance, quelques années dans l'ombre, quelques années de marginalisation, Dieu se souvient de vous, finalement. Les promesses que Dieu vous a données commencent à s'accomplir. Et alors, la petite femme qui est avec vous, qui a été engagée, qui a été fidèle, qui ne s'est pas amusée, qui ne s'est pas amusée avec la mana, qui vous a aimé où personne ne vous aimait, qui vous a vu où aucune femme ne pouvait vous voir à cause de votre aspect en guenille, et en lambeau, ça veut dire que vous n'aviez aucune beauté en vous. Vous étiez un peu comme le fils de l'homme à l'époque. Vous voyez, qui n'avait rien en lui qui puisse attirer le regard des hommes. Aucune femme ne pouvait s'arrêter à vous écouter. Aucune femme ne pouvait vous prêter l'attention, dans tous les cas vous étiez inexistant. Mais celle-ci a vu votre existence. Celle-ci, elle a connu votre valeur. Où tout le monde vous a jugé sur votre apparence, et sur vos valeurs extrinsèques, elle, elle vous a vu dans vos valeurs intrinsèques. Elle a connu la valeur cachée de la perle que vous êtes. Dans tous les cas, elle l'a su et elle s'est sacrifiée pour cela. C'était une femme belle. Ça veut dire, s'il faut parler même de mérite, vous ne la méritiez pas. Ça veut dire que sa vie, même d'abord, euh, comparativement à la vôtre, en réalité, était le jour et la vôtre était la nuit. Mais cependant, malgré cette cacophonie confusionnelle dans votre vie, elle a accepté renoncer à sa gloire pour épouser votre leader. Et dans cette situation, elle a accepté être insultée, elle a accepté être raillée, elle a accepté être marginalisée. Elle a subi des pamphlets, elle a subi des diatribes, juste par amour pour vous. Elle a dit oui. Elle ne vous a plus dit non. Son oui a été oui. Elle a eu d'autres prétendants qui étaient plus beaux que vous, qui étaient plus riches que vous, qui étaient plus mignons que vous, qui en galanterie, en réalité, vous ne seriez même pas leur planton. Dans tous les cas, elle s'est sacrifiée, elle a sacrifié sa vie. Et sa famille lui en veut. Pourquoi Parce qu'elle a abandonné des hommes qui étaient plus méritants que vous. Pour venir, c'est-à-dire comparativement à sa beauté et à votre aspect physique, physiologique et physionomique, en réalité, vous ne la méritiez pas, disons-nous la vérité. Mais elle vous a aimé comme ça. C'est vrai que même ceux qui passent, lorsqu'ils voient votre couple, se demandent Mais cette fille, est-ce qu'elle est aveugle Qu'est-ce qui s'est passé En réalité, est-ce qu'elle a été envoûtée Pourtant, elle n'a pas été envoûtée volontairement elle s'est donnée à vous aimer. Alors, après tout ce bavardage, ce bavardage qu'elle vient de donner, ce blabla juteux, ou alors peu juteux, Dieu se souvient de vous. Et le Seigneur commence à accomplir ses promesses vis-à-vis -vis de vous. Les gens commencent à vous écouter. Vous qui, alors, jadis et naguère, ne pouviez pas rassembler deux personnes. Il y a 500 personnes qui vous écoutent. Désormais, vous vous sentez éloquent. Désormais, il y a des jeunes femmes qui commencent à venir à l'église et l'argent commence à entrer. Ah, les richesses commencent à couler à flot. Désormais, vous pouvez acheter un lait éclaircissant pour redonner de l'éclat à votre visage, à votre corps, à votre faciès. Dans tous les cas, vous êtes mieux qu'avant. Vous êtes plus brillant qu'hier. Lorsqu'on vous regarde, votre teint il est matifié. Il n'est plus cette rémanence, cette réminiscence, cette réverbérance, la pauvreté que vous incarniez. Dans tous les cas, maintenant vous pouvez porter des costumes, pas des costumes cafards, pas des vestes azous. Donc vous pouvez vous habiller aussi chez un couturier de renom, et, et de renom. Donc, à partir de ce moment, votre beauté commence à être exhalée. Votre beauté commence à être vue. Et les jeunes femmes qui viennent à l'église commencent à remarquer que vous êtes beau. Mais cependant, dans le passé, vous étiez invisible aux yeux de ces mêmes jeunes femmes. Mais celle qui est à côté de vous, qui vous a aimé alors que vous n'étiez rien, alors qu'on vous confondait à un cousin lointain du pauvre Lazare, dans la Bible, dont les chiens, les chiens, même les ulcères. Et cette jeune femme qui a été avec vous, qui toujours vous a vu alors que vous étiez invisible aux yeux d'autres femmes, celle-là commence à être disqualifiée à vos yeux. Parce que Dieu vous a béni, l'argent est déjà là, la gloire est là, l'honneur est là, la richesse est là. Et puis, le monde est là, le ministère commence à répondre, maintenant, vous êtes devenu une personnalité publique internationale, une figure importante de l'Évangile dans votre localité, dans votre cocon, dans votre univers ou dans votre biotope. Alors, à partir de ce moment, la laideur de celle qui jadis fut belle, à vos yeux, au jour de votre galère, de votre misère, au jour de votre abandon, au jour de votre rejet, au jour de votre oubli, alors que vous étiez dans la poubelle de l'humanité. Celle qui naguère et jadis Veille dans cette poubelle Vous aimez, là dans cette poubelle Vous donnez sa parole Et vous dire son oui Vous commencez à remarquer qu'elle est laide Parce qu'aujourd'hui vous êtes beau Parce qu'aujourd'hui vous avez un peu Alors les jeunes filles Commencent à vous aduler Et commencent à vous enjoler Parce que vous vous dites qu'elles sont Enjolivées Et donc vous commencez à voir Les défauts de celle qui ne vit point votre défaut, de celle qui fit table rase de vos défauts lugubres, de vos défauts effrayants, et qui vous aima tel que vous étiez, sale que vous étiez, qui accepta cette odeur nauséabonde qui venait de vous, parce que même l'eau pour vous laver, vous n'aviez pas, qui accepta laver vos sous-vêtements qui partout étaient parsemés des écluses des cieux, sans rien dire, sans jamais réjouir, sans vous juger. Qui abandonna ces grands messieurs qui couraient après elle, qui abandonna ces grands messieurs avec ses grosses voitures pour accepter marcher à pied avec vous sur des, des, des dizaines de kilomètres, je craignais de dire des centaines de kilomètres pour vous suivre dans votre vision. Alors aujourd'hui que Dieu vous a béni et que vous avez des moyens, vous achetez une deux voitures. Vous pouvez rouler dans une voiture... Vous pouvez habiter dans une belle maison... Vous avez un bel appartement... Bien aménagé... Vous avez un éclat plasma... Ce que hier vous ne pouviez pas avoir... Même dans vos cauchemars les plus fous... Dans vos nuits les plus chevaleresques... Et cauchemardesques... Aujourd'hui vous avez toutes ces choses... Et c'est là que vous vous rendez compte... Que la femme de votre jeunesse... La femme de votre misère... La femme du jour de la détresse... N'était pas belle... Et c'est là que vous vous rendez compte que c'est sain... En fait, sont comme deux paires de batoulas et c'est là que vous vous rendez compte que en fait la vie avait abandonné sa poitrine, et c'est là que vous vous rendez compte que en fait ses fesses n'étaient pas arrondies comme vous le vouliez, et c'est là que vous, vous rendez compte que en fait son corporel ne répondait pas aux critères vrais critères que vous aviez devant Dieu. Alors mes bien-aimés, la lumière est revenue. Alors mes bien-aimés, c'est là que le jugement de Dieu a rattrapé beaucoup de serviteurs de Dieu. Pas seulement dans ma nation, mais dans d'autres nations aussi. La Bible dit que parce que tu as abandonné la femme de ta jeunesse, moi aussi je t'abandonnerai. C'est important de le comprendre. La femme qui a été fidèle avec toi au jour de la détresse, quand tu n'avais pas, tu dois être fidèle à cette femme jusqu'à ta mort. Cette femme doit jouir à 100% de la même richesse que Dieu te donne. En fait, ce n'est pas ta richesse, c'est votre richesse. Ce n'est pas ta maison, c'est votre maison. Lorsqu'elle t'a connu, tu n'avais rien. Au contraire, même, c'est avec son petit argent qu'elle venait t'acheter le tapioca avec du sucre et puis tu mangeais ça avec appétit, tu lui disais merci. Aujourd'hui, elle ne sait même pas où tu caches l'argent dans la maison. Aujourd'hui, elle ne peut pas s'asseoir et avoir du compte rendu de comment l'église s'est passée, combien la caisse de l'église a, si tu as un compte bancaire ou si tu n'as pas un compte bancaire. Bien aimé, c'est pour cela que beaucoup d'hommes de Dieu sont jugés. C'est pour cela que vos ministères commencent et à un certain niveau, Dieu vous punit. Ou c'est pour cela que tu te rends compte que les gens venaient, après les gens disparaissent parce que Dieu s'appelle le Dieu de justice. Dieu est juste. Notre Dieu est un Dieu juste. Et nous devons comprendre cela. Beaucoup d'hommes de Dieu. Lorsqu'ils ont commencé dans la souffrance, ils voient la valeur de leur femme ou de leur fiancé. Mais dès que la main de Dieu a commencé à agir, et que l'argent a commencé à entrer, et que les belles filles ont commencé à venir à l'église, c'est là qu'ils ont levé les yeux, enlevé les yeux de leur femme qui les a supportés au jour de la détresse. Ou les jeunes femmes qui arrivent là, les michetonneuses qui remplissent l'église là, qui ont une beauté même falsifiée, une beauté fallacieuse, une beauté artificielle. Ça veut dire que la vôtre même, sa beauté, elle est naturelle. Ça veut dire que vous sentez que c'est une fille d'Ève. Ça veut dire que c'est la fille de la mère. Mais les autres qui viennent, qui brillent. Comme le dit l'adage espagnol, No es oro todo que reluce. Tout ce qui est or, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors, vous regardez à celle-là parce qu'elle brille, parce qu'elle est pimpante, parce qu'elle est frappante. Et puis, vous laissez celle qui a été avec vous pour admirer celle-là qui brille à cause de immédiat clair, à cause de clairissime, parce qu'elle a mélangé caribou, jaribou, maribou, et que ça lui a donné cet éclat fallacieux et artificiel. Vous abandonnez la femme qui a cru en votre vision pour aller prendre celle qui ne croit pas en votre vision, à cause de la beauté physique. C'est pour cela que la justice de Dieu rattrape beaucoup d'hommes de Dieu. Il y a beaucoup de femmes d'hommes de Dieu qui dans leur maison n'ont pas de parole. Elles n'ont pas de parole. Elles ne peuvent rien dire à leur mari. Elles vivent dans une dictature despote. n'est même pas la dictature, c'est despotisme. Dans leur maison, elles ne peuvent rien dire. Le mari frappe sur elles. Comment un homme de Dieu peut-il frapper sur sa femme Expliquez-moi ce mystère. C'est qu'un verset biblique. Comment un homme de Dieu peut-il porter la main contre son épouse Mais cependant, moult femmes d'hommes de Dieu dans nos églises, dans l'église de Jésus-Christ, sont battues par leur mari. Le matin, donc, vous verrez la femme venir à l'église. Elle a un œil qui est poché. Elle porte des lunettes noires et vous lui demandez Mais pourquoi en plein matin, en pleine matinée, vous venez avec des lunettes noires à l'église Et la dame vous répond comme son mari lui a ordonné de répondre à la maison à toute brebis qui lui posait la question Je suis une cousine lointaine de Michael Jackson. Vous voyez, comme il me met les vues noires. Alors moi si je mets les binocles noirs. Vous voyez. Mais pourtant, en réalité, elle a été boxée par son mari. Ça veut dire que la MMA a été pratiquée sur elle, la WWA a été pratiquée sur elle, le, le Taishi a été pratiqué sur elle, le Kung Fu a été pratiqué sur elle, et quel Kung Fu, le Tanglampé et le, 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 le Wushu. Vous voyez. Donc, il faut comprendre que ces comportements sont irresponsables. Un homme de Dieu, pas seulement un homme de Dieu. Un homme qui frappe sur une femme est un lâche. Je me répète, allez le dire, qu'est-ce que le prophète qui l'a dit? Quand je vois comment les hommes maltraitent leurs femmes, je vois comment les hommes utilisent leurs femmes, je pleure. Je pleure pourquoi Dieu n'a pas permis que je jouisse de la mienne pendant encore des années jusqu'à la vieillesse. Je l'aurais souhaité. Je l'aurais tellement aimé. Je vous dis la vérité. Je l'aurais tellement aimé. Ma plus grande amie, c'était mon épouse. Ma plus grande amie de toute ma vie. Ma plus grande amie. Ma plus grande confidente. Ça veut dire que j'ai l'habitude de dire aujourd'hui que c'est un peu comme si une muraille a été renversée autour de moi. C'est un peu comme une ville qui était fortifiée et que la muraille a été renversée. C'est ça la réalité. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas utilisé les cartes bancaires. Pourquoi Parce que c'est ma femme qui avait le mot de passe. Je n'ai pas eu le temps de retourner en banque. Il faut refaire les cartes bancaires ou bien je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je vous dis la vérité. C'est elle qui détenait les cartes bancaires, le mot de passe. C'est elle qui les détenait. Vous voyez Je me souviens un jour, euh, je lui ai demandé que, ok, je vois que c'est comme s'il n'y a plus d'argent à la maison. Voici. Tel. Elle me dit non, mais avant, tu m'as donné 5 millions. Et elle m'a dit que mon mari, si j'étais une femme malhonnête, c'est qu'il te frappait tous les jours. Puis je te frappe, tu n'allais même pas te rendre compte. Vous voyez. C'était une amie. Ta femme, c'est ton ami, Homme de Dieu. Écoutez-moi bien. Votre ministère est à l'image de votre caractère. Je me répète. Ton ministère est à l'image de ton caractère. Ayez de bon cœur. Vous voyez. Ayez de bon cœur. Vous pouvez commettre des erreurs. Il hein? faut, faut faire la différence. Faites la différence entre un homme qui commet des erreurs et un homme qui est méchant. David était un homme de bon cœur. Il avait le cœur d'un enfant. Et il a commis des erreurs graves. Et Dieu lui a pardonné parce qu'il avait le cœur d'un enfant. C'était un homme plein d'amour. Un homme vrai. Un homme devant Dieu droit, intègre. C'est important de le savoir. Donc, toi tu es un homme de Dieu. Ta femme ne peut pas te dire que je vois que tes choses dans l'église n'est pas bonne. Mon mari, fais attention. C'est la gifle qu'elle reçoit. Tu es quel genre de Dieu? Quel genre d'éducateur? Pourquoi? Parce qu'en en fait, les hommes de Dieu, la Bible dit que nous sommes les dispensateurs des diverses grâces de Christ. Donc, ce que tu as, c'est ça que tu donnes. Jean-Baptiste a dit, un homme ne peut recevoir que ce qu'il a reçu du ciel, Vous voyez. Et on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Donc ce que tu donnes doit être bien. Le genre de repas que tu donnes à ton peuple doit être bien. C'est-à-dire le genre d'héritage que tu donnes doit être un bon héritage, un héritage pas pollué. Donc, il y a des hommes de Dieu, des femmes d'hommes de Dieu dans leur maison, elles n'ont pas la parole. Leur mari ne les écoute pas. Or, oh, ta femme devrait être ta meilleure conseillère. J'ai eu l'habitude de dire que mon épouse, lorsqu'elle donnait sur dix choses qu'elle me disait, neuf étaient vraies sur les gens autour de moi, que ce soit nos fils ou bien que ce soit euh, euh, les gens, les brebis à l'église. Un jour, j'ai pris un format, je lui ai remis le format. Et moi aussi, j'ai gardé un format. Et je lui ai dit, ok, de tous nos fils à l'église, maman, s'il te plaît, il faut faire la liste et nous allons les mettre par ordre de loyauté, jusqu'au plus déloyal, du plus loyal au plus déloyal. De ceux qui resteront à Réma et ceux qui vont partir. Je lui donne le bic et j'ai pris aussi ma part. Et puis, on s'est donné rendez-vous une heure après. Quand je suis revenu, j'ai pris son format, je lui ai présenté le mien. C'était la même chose. Je vous dis la vérité devant Jésus-Christ. La même chose du début jusqu'à la fin. Ça montrait que nous étions en synergie. Ça montrait qu'il y avait une symbiose entre nous. Ça montrait que notre mariage était basé sur un chimiotactisme positif. Vous voyez. Donc, ça dit que ça montrait qu'en fait, nous étions, nous étions unis. voyez. Nous étions unis. On avait la même vision, la même façon de voir les choses. On était amis. On n'était pas seulement mari et femme. On était amis. Donc, un homme de Dieu doit savoir que si tu maltraites ta femme à la maison, la justice de Dieu te rattrapera dans ton ministère. Il faut faire attention. Nous devons respecter nos femmes. On est des modèles. C'est nous les exemples. La porte de 1 en Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs comme moi, mais je le suis. De Christ. Vous voyez. Et quand vous lisez, par exemple, dans. Ephésiens 5, verset 25, la Bible dit Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé lui-même l'Église et s'est livré pour elle. Donc ça dit que je peux aimer ma femme jusqu'à accepter mourir pour elle. Si tu ne peux pas aimer jusqu'à la mort ta femme, tu ne l'aimes pas. Non, tu ne l'aimes pas. Je te dis la vérité, tu ne l'as pas aimée. Or, en tant qu'homme de Dieu, c'est nos foyers qui doivent être des exemples. Mais les foyers de beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas des exemples. Il y a des hommes de Dieu qui se querellent, qui s'insultent avec leurs épouses. Dans le quartier, c'est le quartier, les païens qui viennent les séparer. Tu veux que ces païens viennent dans ton ministère, comment Tu veux avoir quelle réputation Il y a des couples d'hommes de Dieu, des couples pastoraux, qui ont une mauvaise réputation dans leur foyer, dans leur quartier. Tu bagarres avec ta femme en public, ou bien tu tapes ta femme devant les enfants. Tu es quel genre d'homme de Dieu Quelle irresponsabilité entre nous en tant qu'hommes de Dieu donc quand je vois comment certains hommes de Dieu traitent leurs épouses, je pleure. Je pleure, je dis, ah quel gâchis, quel gaspillage. Pourquoi gaspiller ce temps précieux Pourquoi s'amuser avec le temps que Dieu t'a donné Ta femme, c'est la fleur de Dieu pour ta vie, mon ami. La femme que Dieu te donne, là, c'est ton jardin. Arrose-le. Au lieu d'entrer toi, me saccager les fleurs dans ton jardin, mettre des eaux dans ton jardin, ça, ça prête à confusion. Il faut être fou pour le faire. Arrange ta femme. Au lieu de convoiter les femmes d'autrui dehors, de convoiter celle qui est dehors là, elle est bien habillée, tu peux aussi arranger ta femme dedans. Tu peux la faire mieux que celle qui est dehors là-bas. La femme de dehors là, elle n'a pas deux têtes, elle n'a pas trois seins sur elle. Non, elle est exactement comme ton épouse. J'ai eu l'habitude de dire ceci. Moi, je n'ai pas trouvé la nécessité pour laquelle je devrais quitter mon épouse pour aller chercher à coucher avec une autre femme. Sincèrement, je n'ai pas trouvé la nécessité. Pourquoi Parce que tout dépend de comment vous comprenez la vie, de comment vous percevez la vie. C'est ça la vérité parce que, en fait, c'est la même chose. C'est l'emballage qui change. Après, c'est le même mouvement, des, des va-et-vient. Après, c'est un Christ ridant et puis c'est tout. Mais en réalité, c'est la même chose. Donc, les hommes de Dieu devraient comprendre que leur femme, ta femme, c'est ta première brebis. Ta femme, c'est un peu l'église pour Christ. Ta femme, c'est là que Dieu t'évalue. Ta femme et tes enfants. Mais je parle de ta femme d'abord. Un homme de Dieu doit chérir sa femme et la respecter. Un homme de Dieu doit apprendre à écouter sa femme. Parce que les femmes que Dieu met autour de nous, là, c'est nos premières prophétesses là-bas. Personne dans ton église ne peut t'aimer plus que ta femme. Donc, un homme de Dieu qui accepte que les membres de son église méprisent sa femme est idiot. C'est un idiot. Allez dire que ce prophète fait qui a dit, il y a mon numéro WhatsApp, qu'on m'appelle, qui m'appelle. Je veux répondre. Un homme de Dieu qui accepte qu'on... C'est-à-dire, tu ne peux pas être un homme de Dieu. Tu fais le reproche à ta femme à l'église. Les gens me connaissent. Nous avons fait le ministère avec mon épouse. On a fait le ministère depuis 2012. là. On a travaillé jusqu'à ce qu'elle meure en 2021. Ça fait 8 ans. 8 ans. On ne vous dira jamais que moi, je lui ai fait un reproche en public. Non. Jamais. Je n'ai jamais fait ça. Jamais. Personne n'a jamais remarqué un mauvais comportement de ma part ou de sa part en public. Jamais de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on s'entendait sur tout. Non. Il n'y a aucun couple qui existe. Ou vous entendez surtout. Les humains, ce n'est pas possible. Il n'y a que la Trinité. Même les anges aussi ne s'entendent pas surtout. Satan nous a prouvé cela. Sinon, il n'allait pas se révolter contre Dieu. Vous comprenez Mais cependant, il y a une maturité avec laquelle on peut résoudre les problèmes dans un foyer. Et la rapidité avec laquelle vous résolvez vos problèmes est proportionnelle à votre amour mutuel, l'un pour l'autre. C'est ça que les gens doivent comprendre. Le respect est fondamental. Un homme de Dieu doit respecter sa femme. C'est important. Tu ne parles pas à ta femme comme si c'était ton esclave. Tu ne parles pas à ta femme comme si c'était. Elle n'avait pas aussi des parents. Quand si elle n'a pas un père ou quand si elle n'a pas une mère, même si elle n'a plus de père ou de mère, c'est même là encore que tu dois la respecter parce que là, c'est dangereux. Elle n'est plus que ta femme, mais elle aussi une orpheline. Et Dieu veille sur les orphelins. Dieu s'amuse avec les orphelins. Là encore, tu es plus dans le problème que celui qui méprise sa femme, qui a son père et sa mère. Comment un homme de Dieu peut-il insulter sa femme Insulter ta femme. Jusqu'à lui dire si tu veux, va ailleurs, va dehors, va te chercher dehors. Hein? Comment un homme de Dieu peut-il priver sa femme de sexe pendant des mois ou des années Comment tu peux être un homme de Dieu Tu découches, tu sors de ta maison pour aller dormir dehors, tu viens ce mois petit matin. Sincèrement, c'est des comportements qui ne sont pas sérieux. Et il y a beaucoup d'hommes de Dieu, après, qui vont venir quand nous organisons le programme. Tu viens, tu dis que oh, je veux l'onction. Mon ami, l'onction a des principes. Tu dois être un bon mari d'abord. Il faut que tu comprennes que ta femme n'est pas ton égale. Laissez-moi vous rendre un témoignage pour, pour vous illustrer ce que je suis en train de dire. Vous savez, quand, quand on s'est marié avec Mommy, à un certain moment, euh, elle a eu des difficultés à avoir des enfants. Quand elle a eu des difficultés, ça a été l'une des périodes les plus compliquées de mon foyer, les plus difficiles. Pourquoi Parce que ça affectait son comportement. Tous les jours, elle pleurait. Elle pleurait, elle me disait vraiment, mon mari. Je suis comme un homme pour toi, je ne suis, suis pas une femme. Pourquoi Je n'arrive pas à te faire un enfant. Et je lui disais, je ne t'ai pas épousé pour les enfants. Je suis plus que 10 enfants pour toi. Donc, elle disait, non, non, ce n'est pas possible, non, s'il te plaît. Et ça a affecté son caractère au point où elle est devenue très nerveuse. Tellement elle était devenue nerveuse à la maison que c'était compliqué pour moi. Donc, elle était devenue susceptible à tout. À moindre geste que je pouvais poser, elle se fâchait contre moi. À moins de gestes, elle se fâchait contre moi. Et j'ai compris qu'en fait, elle traversait une période difficile. Je ne pouvais pas lui en vouloir parce que je voulais plutôt l'aider à ce qu'on puisse résoudre ce problème-là. Et je me suis mis dans la prière. Dans des sérieuses prières. Je suis venu bon, en une fois, je ne sais pas ce qui s'est passé, son vêtement est tombé au sol. J'ai renversé son vêtement et ça fait tout un problème. Et je lui ai dit, mon époux, ça c'est pas toi. Ça c'est pas toi. C'est pas la femme que j'ai posée. Je sais que ça, c'est la main de Satan qui est derrière toi. Ressaisis-toi. Et je lui ai dit, viens, nous allons prier ensemble. J'ai tenu sa main. Quelqu'un d'autre se serait fâché. Que pour un vêtement Et ça allait faire le problème, et puis c'est la guerre. Non. J'ai compris, il faut comprendre. Et même, j'ai dit ça, les gens peuvent ne pas croire en ça, mais c'est une réalité. Les deux dernières années de sa vie, on n'a presque pas eu de rapport sexuel. Presque pas. On n'a presque pas eu de rapport sexuel. Mais je me souviens que vers la, les, dernières, les derniers mois, elle m'a dit, oh mon mari, vraiment, euh, je pleure. Je, non, je l'ai vu, elle pleurait. J'ai dit, il y a quoi Elle m'a dit que je, je, je crains de te perdre. J'ai dit pourquoi Parce que sexuellement, je ne peux plus te satisfaire à cause de mes indispositions. Je lui ai dit, tu m'as suivi un jour me plainte. Pour certaines personnes, c'est la raison, une raison suffisante pour aller dehors. Pour aller dire, ok, on va monter, descendre, etc. Non. Mais j'avais compris qu'elle n'a pas choisi ce sort. Non. Si tu épouses une femme qui n'arrive pas à faire des enfants, toi tu es un homme de Dieu, tu commences à l'insulter. Oh stérile, quand il y a moins de choses, tu l'insultes, à stérile. Ah, ta mère, ton père, tu es pauvre, toi tu es quoi? Tu as quoi? Mon ami, tu es en train de commettre un grave péché et une grave erreur contre la loi, une loi principale du mariage. La Bible dit soit. Il dit pourquoi? Parce que tu as été infidèle à la femme de ta jeunesse. Parce que tu as été infidèle à la femme de ta jeunesse. Or, la femme de la jeunesse, la femme de ta jeunesse, c'est quoi C'est celle qui a souffert avec toi dans les moments difficiles. C'est celle qui t'a accepté, personne t'a accepté, les autres t'ont rejeté. Proverbe 5, verset 18. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Ta femme doit être ton sujet de joie, homme de Dieu. Je vous en prie, je veux parler à mes fils. Ils sont des hommes de Dieu, s'il vous plaît. Si je suis votre père, aimez vos épouses comme j'ai aimé votre mère. Mon amour pour elle était vrai, sincère et éternel. Et c'est la réalité. Aimez vos femmes, valorisez vos femmes. Aimer sa femme, ce n'est pas seulement porter les mêmes habits avec elle. Non, c'est la respecter, lui donner la place du ministre de l'intérieur. Elle doit être capable de donner, prendre des décisions. Quand ma femme disait, telle personne n'entre pas chez moi, je n'imposais pas la personne. Non Lorsqu'il y a eu des malentendus entre ma mère, ma petite soeur, mon épouse, et qu'elle n'était pas, elles ne s'entendait pas, ma mère n'est pas venue chez moi pendant des années. Ni ma petite soeur. Non. Je les respectais. J'ai construit une maison à ma mère. Mais elle ne venait pas chez moi. Pourquoi? Parce que à chaque fois où maman ou ma petite soeur voulait venir, je leur disais, passez par ma femme. Passez par. Passe par ta belle-fille. Ou passe par ta belle-sœur. Pourquoi? Parce que. Si j'impose je, je quelqu'un à ma maison, ça veut dire que je fasse ma femme. Elle n'a plus sa place. Mais si je dis à ma mère, pour venir chez moi, m'appelle ta belle-fille, causez, prenez rendez-vous. Alors là, elle comprend que ma femme est un élément incontournable. C'est toi qui fais qu'on respecte ta femme dans ta famille. Et c'est ta femme qui fait qu'on te respecte dans sa famille. Chacun impose sa femme. J'impose le respect à la fin. Lorsqu'elles se sont réconciliées, elles sont devenues les meilleures amies du monde. Et ma même respecte aujourd'hui. Elle comprend que je suis un homme, un vrai homme. Un homme qui a valorisé sa femme aux yeux de sa propre famille et de sa belle famille. C'est ça la vérité la réalité. Vous comprenez Donc, il dit que quand vous lisez par exemple dans Malachie 2, verset 14, la Bible dit, et vous dites, pourquoi Les à partir du verset 13, voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes l'autel de l'Éternel, de pleurs et de gémissements. En sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Il parle des hommes de Dieu et de l'Église. Et vous dites pourquoi L'Éternel répond parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Et vous dites pourquoi Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse à laquelle tu es infidèle. Bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Cette femme est la femme de ton alliance. Et Dieu dit qu'il a abandonné nos offrandes. Il a rejeté nos offrandes, nos prières, nos sacrifices, parce qu'on a été infidèles à la femme de notre alliance. C'est elle que Dieu connaît. C'est cette femme-là que tu veux mépriser aujourd'hui, parce qu'il y a des belles filles qui viennent, elles sont cambrées, elles sont formées comme la guitare, comme des sirènes. Quelle sirène même Tu as -tu vu la sirène un jour, pour comparer vous voyez? Et à cause de cela, tu vas abandonner celle qui a souffert avec toi. Dieu n'est pas injuste. Il ne te suivra pas dans cette injustice. Non. Le Seigneur sera. Il soutiendra toujours celle-ci. Vous voyez Laissez-moi vous montrer un autre exemple qui est très simple, mais cependant très poignant dans la Bible. Lorsque Sarah Lorsque Saraï s'est rendue compte qu'elle était stérile. Elle a dit à son mari Elle lui a dit Ok, voilà, il y a Agar. Prends Agar. Et faites-moi des enfants ensemble. Les enfants m'appartiendront. Mes amis, mes amis, ce ne pas comme Mes amis, mes amis, amis, amis oh. <laughs> Comment cette femme a pris le risque, vieille qu'elle était, de prendre une jeune fille autour de règnes diaboliques et infernaux, pour la laisser seule avec son mari. Elle s'attendait à quoi ce pas seulement l'enfant. La fille a traumatisé papa Abraham. Elle l'a traumatisé là-bas avec des acrobaties, et des gymnastiques sexuelles qui ont fait en sorte que de peu, Abraham était déjà en train d'oublier Sarah. Voilà pourquoi, lorsque Sarah revient pour dire à son mari, c'est moi qui t'ai donné cette jeune fille. Maintenant, je te dis que ça va. Chasse-la avec le fils. Qu'est-ce que le gars a dit Que tu es malade. Il est malade. Il demande à la fille si je la laisse pour faire... Toi, tu ne connais pas encore quel travail. Le travail, tu ne Elle fait le travail, fils, abîme les Toute la nuit, ça, le matin, quand papa Abraham, Abraham se lève comme ça, là, ses yeux sont revolvers. Ses yeux deviennent des yeux en facette. Ça à dire qu'il se bosse, il caracole, et je voulais dire, il claudique. En même temps, à gauche et à droite, simultanément, à gauche et à droite. Le gars voyait la gloire partout. Mais où il n'y avait pas de gloire. Parce que la nuit, la jeune fille l'avait traumatisé. Donc quand sa femme revient, la légitime lui dit maintenant, la femme de sa jeunesse vient lui dire que sépare-toi de celle-là, ne garde jamais un gant. Cela ne peux pas, même si tu en prends trois dizaines, je ne peux pas laisser celle-ci. passer me fait les bonnes choses à venir là et la nuit. C'est ça la, le, le danger. Alors, il a fallu que Sarah alla vers Dieu pour que Dieu parla lui-même à Abraham la nuit que oui, je sais que vraiment elle t'amène au septième si elle met le huitième, neuvième, c'est vrai. C'est-à-dire que la fille fait ce que la femme de ta jeunesse ne peut pas te faire. Elle te travaille, elle te malmène, elle te maltraite partout. Tu sors le matin, c'est le maltrait sur toi. Tu sors le matin, il y a les séquelles sur toi. Tu sors le matin, c'est-à-dire que tu es maltraité toute la nuit et tu aimes être maltraité. Mais, n'oublie pas que la femme de ton alliance, c'est celle-là qui ne peut pas te faire ce que la jeune fille l'a fait. Donc, abandonne la jeune fille-là, retourne dans l'ancêtre. Abraham a trouvé que c'était le problème. Comment je suis dans la Nouvelle Alliance et vous me demandez de retourner dans la Alliance encore Il avait goûté au don de la Nouvelle Alliance. Et elle a retourné à la Alliance, ça fallu lui dire retournons à la Alliance. Le gars dit non. La main, il n'y a, a pas le goût avec toi, il n'y a pas le goût. Comment tu peux, tu, comment je dois chasser celle qui me donne le goût la nuit pour revenir avec toi Toi, tu connais même plus qu'à te dire, ok, okay. Et, et, fais comme ça, tu dis que toi aussi, le père, on est déjà vieux, non à toi-même, vieux monde seulement, finissons par... On oh, laisse les affaires. Pourquoi tu veux compliquer les choses Mais la jeune fille, elle plaque Abraham là-bas. Elle le coïne là-bas. Elle lui donne le, 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 le cacato guéri ici. Elle lui fait le mawashi guéri. Elle lui fait le graïka là-bas. Le gars était fini. Le gars était fini. Mais quand Dieu apparaît à Abraham, heureusement, c'est un homme obéissant. Il va abandonner Agar pour retourner aux sources vers la femme de sa jeunesse. Ça montre que Dieu est fidèle à la femme qui a été avec toi au jour de ton malheur. Cette femme-là. Si tu la maltraites, c'est une malédiction pour toi, mon ami. Ton ministère ne, veut pas, ne peut pas subsister longtemps. Ce n'est pas possible. Ton ministère ne peut pas subsister longtemps. Donc, il y a un minimum de justice que nous devons avoir en tant qu'hommes. Il y a un minimum de justice. Quelqu'un qui t'a supporté, quelqu'un qui t'a assisté, quelqu'un qui a été avec toi. Mon ami, tu dois être juste envers la personne. Laissez-moi vous montrer une leçon de la vie. Lorsque j'ai connu mon épouse à l'époque, qu'est-ce qui s'est passé Je n'avais rien. Il y a des hommes de Dieu même qui ont dit, oh non, vraiment, sa femme est déjà morte. Et il parle toujours de, de sa femme et tout cela. Vous voyez Vous voyez la mentalité des hommes de Dieu, n'est-ce pas C'est des bandits. C'est des meurtriers. C'est des criminels là-bas. C'est des criminels. Ça veut dire que, madame, ton mari, si tu meurs, pendant que ton corps est à la morgue, il sera en train de payer la dot d'une autre femme. Quand j'entends ce que ton mari dit. J'ai dit que si tu meurs, tu meurs là, tu meurs, madame, tu meurs, ton mari, que tu es homme de Dieu là, tu meurs. Pendant que ton corps, cest dit qu'on n'a même pas encore mis ton corps à la mort, parce qu'on dit que c'est les places occupées, on est en train de négocier, le gars laisse d'abord ton cercueil là-bas, il sera au village, en train de payer la dot. Ça dit, s'il est si es trop gentil, tu as trop respecté, il sera en train de faire toquer la porte. On va t'oublier comme tu n'as jamais existé. On va... C'est-à-dire qu'on va effacer ta mémoire du ministère, effacer ta mémoire comme si tu n'avais jamais contribué à ce ministère. C'est ça la mentalité des hommes de Dieu aujourd'hui. C'est ça la vérité. Quand j'entends comment les hommes de Dieu réagissent par rapport à mon amour pour ma femme, à mon attachement pour elle, je comprends que c'est des meurtriers que vous avez épousés. C'est des criminels que vous avez épousés. Si tu ne fais même pas attention, le gars te dit que je vais sur la montagne là, sept jours à sept là, c'est pourquoi tu meurs. Il dit Seigneur, prends, prends, prends ma femme, prends là, je vais déjà épouser la sœur Jackie. Je vais me poser la secrétaire. Le temps est arrivé. Je dois, il faut qu'elle change. Je suis fatigué d'elle. Elle me fatigue déjà. C'est ça la vérité. Si tu n'aimes pas ta femme, mon ami, tu vas aimer qui Tu l'as épousée pourquoi En tant qu'homme de Dieu. Maintenant, une autre chose qu'il faut savoir, en tant qu'homme de Dieu, c'est quoi C'est que, vous savez bien aimer, lorsque Dieu t'a confié le ministère, c'est important que ta femme épouse ta vision. Tu es son maître, son enseignant. Moi, j'ai pris pendant des années des moments pour enseigner mon épouse. On restait à la maison, je prends la Bible, je lui dis, ok, ici, comme ça. Je lui montre en grec. Quand il voulait aller prêcher à l'église, on s'asseyait, on faisait une révision. Ici, fais comme ça, fais comme ça, vas-y, bah, comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme ça. Un homme doit être une aide pour sa femme. C'est-à-dire que tu es un éducateur. Tu dois te voir comme étant l'aîné de ta femme. Ce n'est pas ton égal. Pour qu'à chaque fois qu'elle touche, tu prends ça au sérieux. À chaque fois qu'elle éternue, tu prends ça au sérieux. À chaque fois qu'elle érucle, tu prends ça au sérieux. Ce n'est pas ton égal. Tu n'es pas une femme. Tu es un homme. Sois un homme, mon ami. Un homme supporte. Elle non minimise certaines choses, elle non peut excuser certaines choses, elle non peut regarder comme rien certaines choses qu'une autre personne prendrait comme des choses euh, sérieuses pour causer des problèmes sérieux dans le couple. C'est pourtant que ta femme participe à ton ministère. Il y a des hommes de Dieu qui ont des femmes, leurs femmes c'est des sources de talent, des sources de richesse qui peuvent être une grande aide dans le ministère. Ta femme a en elle un don de prophétie, un don de guérison, un don de miracle. Elle a tellement de choses que Dieu a investies en elle, mais tu la frustres tellement que ni toi, ni ton église, vous ne profitez pas. Elle est toujours frustrée. Et quand tu vois ta femme à l'église, elle a vieilli. Elle est plus vieille que sa grand-mère. Allah. Elle est plus vieille que sa grand-mère. Pourquoi? À cause des paroles dures de que tu lui donnes. À cause des paroles, ça dit vénimeuses, vénéneuses, envenimées. Serpentine que tu lui donnes, Vipérine même que tu lui donnes. C'est ça le problème. Tu parles à ta femme quand tu veux seulement qu'elle meurt, tu veux la tuer avec tes paroles. Mais ceux qui ne tapent pas sur leur femme battent sur leur femme. Ça dit que tu profanes ta femme par les paroles que tu sors de ta bouche. Comme tu oublies que c'est la femme qui lance toutes les filles. J'ai dragué une fille, elle me dit Tu es malade, tu m'as bien vu, tu m'as bien regardé, tu peux m'entretenir. Celle-là a été avec toi là-bas. Maintenant, parce que tu as les miettes même, quelle même miettes même que tu as même, quel argent même tu as? On regarde même bien, c'est même les billets, on regarde même bien c'est nères. Et tu veux maltraiter la fille de parce que tu as quand même un peu d'argent, c'est là que Dieu a abandonné beaucoup d'hommes de Dieu. Hommes de Dieu, Dieu peut t'abandonner à cause de la manière dont tu traites ta femme. Dieu peut t'abandonner. Les hommes de Dieu, tu abandonnes ta femme, tu lui dis que je vais découcher. Tu laisses ta femme, tu dors, tu pas dormi dehors. Tu reviens au petit matin. Tu, tu veux la tuer. C'est-à-dire que tu, 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 et, et, tu sais qu'elle ne peut pas parler. Elle ne peut pas parler parce que la fille d'autrui aussi, tellement elle aime Dieu qu'elle ne veut pas être à l'origine du scandale dans ton ministère. Elle garde ça pour elle. Elle se meurt pour elle. Et puis, si le diable l'attente et qu'elle est faible et qu'elle tombe sous le charme d'un frère ou d'un homme, tu seras le premier à venir la diaboliser devant tout le monde pour montrer que vraiment c'est une sorcière. Je vous avais dit, bon, maintenant voici l'occasion, alors il faut qu'elle sorte pour que je prenne la secrétaire. Ou que je prenne, je ne sais pas qui. Ouais. Et c'est un problème. C'est un sérieux problème. Donc, bien aimé, je voudrais dire, je veux exhorter, les hommes de Dieu, chers frères et sœurs, je vous en supplie, par les compassions qui sont en Christ Jésus, aimez vos femmes. Ne vous aigrissez pas contre elles. Ne les maltraitez pas. Ne les... Ta femme n'est pas ton égale. Ne te querelle pas avec ta femme. Sois un éducateur. Si elle fait mal, Appelle-la avec douceur. Dis-lui, ma femme, regarde comme ça, c'est comme ça, comme ça. Fais comme ça, fais comme ça. C'est ça la vérité. Et elle reviendra. Elle a raison. Ta femme, il a l'image de ce que tu veux. Ton mari est à l'image de ce que tu veux. Homme de Dieu, aimez vos femmes. Homme de Dieu, respectez vos femmes. Homme de Dieu, faites du bien à vos femmes. Ne punis pas ta femme en, en la privant d'argent. Ne punis pas ta femme en la privant. De ration, de nourriture, nous savons ça. À l'église, tu viens dire Oh Seigneur, je vois ta gloire. I'm seeing the glory of the Lord. I can feel the glory, I can feel the glory. Pourtant, ta femme, ça fait au moins un mois tu l'as plus de 5 francs parce que tu sais qu'elle ne peut pas aller dehors. C'est aussi une brebis du Seigneur, mon ami. C'est une brebis du Seigneur. Et la Bible dit qu'il est impossible qu'il n'arrive point de scandale, mais malheur à celui par qui le scandale viendra. C'est ta femme, mais ce n'est pas ta propriété. C'est la propriété de Jésus-Christ. Au même titre que toi, monsieur, propriétaire de Christ. Et que tous les brebis de l'église sont propriétaires de Christ. Et ta première brebis, et la brebis la plus importante de ton ministère, c'est ta femme, monsieur. C'est ta femme, mon bien-aimé. C'est ta femme. Ta femme est la première brebis devant Dieu. Dieu l'appelle la femme de ton alliance. Ne joue pas avec elle. Si tu veux que ton ministère aille loin, aime ta femme. Rends-la heureuse. Que ta femme se sente honorée et respectée par toi d'abord. Impose le respect de ta femme dans ton ministère. N'admets à personne de parler mal de ta femme. Ne permets à personne de manquer de respect à ta femme. Ni ton père, ni ta mère, ni tes frères, ni tes soeurs, ni tes diacres, ni tes responsables, ni tes fils, ni personne. Tu dois imposer le respect de la personne de ta femme. Sa personne doit être sacrée. Tu dois imposer ça comme ça dans ton ministère et dans ta famille. Et Dieu te bénira. Donc, n'oubliez pas que le succès de votre ministère. Ou l'échec de votre ministère dépend, quelque part, de la manière dont vous traitez vos épouses, chers hommes de Dieu. Donne l'argent à ta femme. Remets-lui tout l'argent. À partir d'aujourd'hui, remets-lui tout l'argent. Donne-lui tout l'argent. Ne rationne pas. Ça veut dire que n'en pas demi, tu dis que c'est pour rationner. Non, non. Donne-lui, laisse-lui gérer l'argent. Parce que quand il n'y avait pas, vous gériez ensemble. Pourquoi aujourd'hui qu'il y a l'argent Tu gères seul. Si ce n'est pas l'égocentrisme. Je me souviens que lorsque nous sommes allés pour ouvrir le compte bancaire, je salué mon épouse et je suis arrivé, j'ai dit que, OK, j'ai à la banquière, OK, euh, cogestionnaire. Elle a dit, pardon, j'ai dit cogestionnaire. Elle a dit que ça veut dire que votre femme, elle peut venir retirer l'argent comme elle veut, quand elle veut. Je lui ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Cogestionnaire. Et elle a dit, waouh, ça, nous ne voyons pas ça ici, tous les jours, ici en banque, parmi les mariés. Vous comprenez donc mes amis, je vous en supplie, je vous en supplie. Ne fais pas gémir ta femme en secret. Nous ne te voyons pas. On ne te voit pas la maltraiter, mais Jésus-Christ te voit. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Bye.